Quel est l'intérêt d'une compétition technique dans un style de karaté où justement le combat en full contact est très valorisé? Donc c'est vrai qu'on pourrait croire que l'aspect technique n'est pas très important, alors qu'il est primordial à la bonne exécution du combat. Donc quelqu'un qui a une bonne technique sera un bon combattant, ce qui n'est pas forcément l'inverse. Donc ici nous avons organisé le championnat de Belgique kata, qui est normalement une compétition interne. Malgré ça, via la publicité via les réseaux sociaux, d'autres pays ont demandé à participer. Donc on a transformé le championnat de Belgique en événement international. On a eu des clubs français et un club espagnol avec une grande championne qui est Cristina Romero, qui nous a encore montré un très bon niveau technique. Donc, nous sommes très contents de les avoir eus et on pense refaire un événement international systématiquement tous les ans. Comment est-ce qu'on évalue un kata? Alors les critères sont variés. Donc il y a évidemment l'exactitude de la séquence, des positions, blocage et des frappes, l'équilibre, les positions et les directions. Nous évaluons l'arrivée du kata. Donc le participant doit arriver au même endroit où il est reparti. Le kimé, qui est l'énergie qu'on dégage pour ce kata. Et nous faisons un débriefing en début de championnat pour voir les critères sur lesquels nous insistons. Cette année-ci, c'était vraiment l'équilibre et le kimé. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les compétences techniques d'un pratiquant de Kyokushin et ses compétences dans les kumités réels? Alors, lors de l'exécution d'un kata, nous pouvons voir, par les déplacements et ses techniques, nous pouvons voir l'équilibre, la puissance et la précision d'un pratiquant. Et cette précision, on va la retrouver également en combat. Donc, les très bons combattants sont en général de très bons techniciens. Et on peut observer chez ces personnes qui exécutent un kata, même si ce n'est pas leur spécialité, on voit dans les déplacements le regard et l'explosivité qu'ils dégagent dans le kata que ce sont des bons combattants. We'll be right back.